je suis Julie, la maman de deux enfants de 4 ans et 1 an, et je me suis inscrite au programme de parentalité positive il y a à peu près un an, lorsque ça devenait compliqué avec les crises de mon fils qui étaient vraiment quotidiennes, multiples, et je voyais bien qu'il y avait des besoins, des émotions, mais j'arrivais pas à désamorcer la cocotte minute et à l'accompagner correctement. Donc j'avais déjà quelques outils de parentalité positive, mais ça ne suffisait pas. Et les crises de hurlements, de blocage continuaient, et pour un rien, parfois, et des fois pour des choses plus importantes, et voilà. Ça devenait vraiment compliqué, il y avait des cris qui nous faisaient mal aux oreilles, et on en devenait presque violent, verbalement, et c'était pas ce que l'on souhaitait. Donc clairement, ce que le programme m'a permis, c'était de comprendre mieux mon enfant. Mes enfants, à travers des exercices pratiques, en fait, de piocher dans ce qui me paraissait important, d'essayer, d'expérimenter, d'observer. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte aussi qu'il avait une forte réaction au sucre. J'y croyais pas trop, même si je savais que c'était un excitant et un addictif, et qu'on en consommait déjà très peu. Mais je me suis dit, je vais faire le test de faire une semaine sans sucre, 15 jours sans sucre. Et là, ça a été radical, on a vu que les crises diminuaient d'intensité et de fréquence. Alors c'était pas que ça bien évidemment, mais on a déjà pu identifier un facteur clé et donc l'accompagner là-dessus. Et c'est juste génial aujourd'hui que lui-même en fait il identifie. Alors bien sûr il y a encore les anniversaires, des bonbons et tout ça de temps en temps, mais lui-même se rend compte en fait des effets et il apprend à gérer sa frustration, il apprend à apprécier autrement. Il a là pour le prochain pas, qui m'a dit qu'il voulait fêter ça avec des gâteaux à la vanille, donc on va fabriquer ça ensemble et les cacher dans le jardin, ça va être rigolo. Voilà, en tout cas, ça a, parmi ça et d'autres outils comme la gestion du stress avec des choses simples, on s'est fait une petite affichette avec les différents outils qui nous parlaient, le verre d'eau, respirer, faire des mouvements amples, aller dehors, les choses qui sont les plus faciles et les plus efficaces chez nous. Et du coup, pareil, ça on l'a fait ensemble, on l'a affiché, et ça devient de plus en plus des automatismes. Et lui nous le rappelle aussi, donc c'est génial. Et ça permet vraiment en fait d'inclure aussi toute la famille à la fois dans le mode de compréhension et l'implication de tout le monde y met du sien, tout le monde essaie de se comprendre, on fait des petites réunions de famille. Et ça marche bien aussi, curieusement, tout le monde y prend goût et les réclame de temps en temps. Donc voilà, ça a apporté vraiment de la compréhension, des outils pratiques. Alors, tout n'est pas tout rose, je vais pas vous le cacher, mais je me sens plus équipée, plus sereine, c'est déjà énorme. Et c'est vraiment un programme qui me permet aussi de mieux me comprendre, de désamorcer les choses qui, moi, pouvaient me bloquer de mon enfance, etc. Et apporter voilà, de la clarté, de la sérénité par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment un grand plus et j'ai pas fini de revisiter ce programme parce que c'est adapté à une grande tranche d'âge et du coup des problématiques qui peuvent évoluer et voilà, clairement ce sont des outils qui font du bien de voir et de revoir, d'appliquer un peu plus en profondeur à chaque fois. Donc merci à vous tous et n'hésitez pas.